Bon, alors, en direct, on va expérimenter l'application Periscope à Montluçon. Le début de la manifestation pour demander à l'Esterlin, enfin demander, là, faut pas trop d'illusions, hein, pour qu'il vote contre le projet de loi El Khomri. Alors, les camarades des organisations syndicales présentes devant la permanence de l'Esterlin. Et quelques camarades sur la place, là-bas. Bon, pas tout à fait midi, on attend un peu de monde, mais c'est plutôt samedi où il va y avoir du monde. Je suis en train de faire fonctionner l'application Periscope. Alors là, vous êtes en direct. Hein. Alors, j'ai zéro qui suit la chaîne, alors donc tu peux dire n'importe quoi. Non, quand même. Elle est branchée. Les gens qui suivent, j'ai zéro qui suit la chaîne. Bon, je vais peut-être y arrêter, ça sert pas à grand chose. Tout à l'heure, il y avait un, mais il est parti en courant. En capa, voilà. Es-tu en terminé cette diffusion? Alors, commencez la diffusion. En direct, depuis, devant la permanence de Bernard Lesterlin, le camarade Alain Passa. Alain, si tu veux dire quelques mots, eh bien, pour tout le monde, il y a une personne qui suit. Ah ben, c'est Céline, tiens, qui suit. C'est un individu de Lesterlin, qui est député, qui s'est fait élire par des voix de gauche, et il vote tout. Tous les reculs sociaux qu'il peut voter à l'Assemblée nationale. Donc on l'attend pour lui signifier un certain nombre de choses. Quoi. Voilà. Alors, il y a Céline qui te salue. Ah, hein, elle est en ligne. Bonjour. Elle te voit. Alors, il y en a un autre qui est en ligne, je ne sais pas qui c'est. Maëlise Dijoux. Voilà. Alors, là, on a un peu grossi depuis tout à l'heure, mais enfin, bon, c'est pas la foule. Mais ça veut y avoir du monde. De toute façon, l'Esterlin. Hein. Ah, ben il y en a un qui dit bonjour, là. Maëlys Jou. Bonjour, on le tracte. Hein. Oui. Alors, je suis à Periscope en direct. Salut Philippe. Annie, j'ai déjà vu. Erwan. La FSU, en force. Ton spectateur, pas les RG, non? Non, non, il y a Céline Bourdier qui est en ligne. Ah, il y a Céline Bourdier. On est où? Alors, on est à Montluçon, devant la permanence de Sterlin, soi-disant député de Lier, mais qui vote tout, bien entendu, ou qui même est pas prêt, parce qu'aujourd'hui il y a un vote sur la réforme de l'élection présidentielle. Je suppose qu'il doit pas y être. Il y a 11 personnes qui ont voté pour l'autre jour. Voilà. Ah,
Alors, comme fait pour montrer son visage, pour changer, je n'ai pas bien l'application, je ne connais pas bien cette application, je l'ai découvert hier seulement. Alors, faut taper deux fois, ok. Alors, taper deux fois, oh punaise, ça fait rien. Ça fait rien. Alors. Oui, oui. Non, mais après. Oui, oui, voilà. On est pas obligé de faire la nuit. Hein. Mais moi, mon idée, c'était un peu de prolonger la manifestation le samedi. Voilà, en donnant la parole à tous ceux qui veulent la prendre, quoi. Et après, on verra bien. On verra bien ça à 15h, non? À 15h? C'est 15h, mais après, on ira où? On ira à la mairie après. Les navires de guerre battus par les vagues, rongés par la mer. Alors, Erwan disait tout à l'heure que c'était peut-être pas, c'est peut-être pas la peine de demander des autorisations. Ouais, on s'en fout de l'état du monde. Bon, Céline, t'es là à suivre, j'ai l'impression, parce qu'il y a une personne qui suit. Donc je vais peut-être un spectateur en direct, voilà. Ah mince. Alors, on remet ça à Montluçon, on est un peu plus nombreux. Maintenant, il y a quelques jeunes qui sont présents.
Alors, s'il y en a un qui veut prendre la parole, c'est bien volontiers qu'on lui donne. Ah, s'il y a une personne qui est ligne, hein, alors attention. Hein. Duc officiel, c'est joint, il s'appelle. Je sais pas d'où il est. Ted Molusson, duc officiel. On est deux. Ah, Céline aussi qui est là. Alors, Céline Bourdier, qui est là, qui est CPE à... Où tu es, CPE, Céline? Alors, voilà quelques jeunes. Il y en a un qui veut causer dans le poste? Non, ils n'ont pas l'air d'avoir envie de causer dans le poste. On n'y est pas allé. Ça s'est passé comme ça par téléphone. Alors, c'est Elena. C'est Elena qui est en train de causer dans le poste, je sais ce qu'elle dit. On va se rapprocher un peu. Il y a quelque chose qui est en train de changer notre pays et nous apporter au FR. Nous allons aller jusqu'au bout pour lutter et faire retirer cette loi de travail, progresser les droits de tous les salariés, des familles jeunes et à un avenir qui ne soit pas sous l'angle de la précarité ou de la pauvreté. Merci, camarades. Merci, Elena. Je vais juste ajouter que s'il y a des volontaires, on va aller faire un petit tour à la planche au siège du Parti Socialiste. Voilà. Et puis on va peut-être On mène les parpaings. On est là présent aujourd'hui. Alors, Cyril Escoffier, UNEF. Merci ma camarade Elena, mais on est là vraiment pour réarmer que la jeunesse, elle est encore là, elle est debout, elle continue de se bouger. Moi vraiment, je voudrais faire l'écho et ça n'a pas été dit. Je voudrais faire l'écho de ce qui se passe à Paris, je voudrais faire l'écho de ce qui se passe en province, et lui debout, parce qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui pousse, et quelque chose qui marche, et je pense qu'il faut vraiment opter là-dessus pour qu'effectivement, on ait une mobilisation qui dépasse le cadre actuel et habituel, on va dire, de mobilisation. Ça fonctionne pas très très bien, on voit que les pouvoirs publics s'en peuvent. Je pense que maintenant il faut aller au-delà. Et je pense que l'état, en tout cas dans les grandes villes, de pousser à l'occupation des places, elle est intéressante. Et les débats qui y sont menés, notamment actuellement à Paris, je pense qu'ils sont intéressants à saisir, notamment sur tous les débats, sur tous les thèmes qui développent. Hein. Que ce soit sur Notre-Dame-des-Landes, sur les luttes, sur les sans-papiers, sur le grand toutes les luttes périphériques entre guillemets, mais qui sont reliées et qu'il faut amplifier, qu'il faut mener de front tous ensemble. La coordination nationale, la coordination lycéenne de 03, l'organe que je représente aujourd'hui, elle s'est mobilisée, elle continuera de se mobiliser, notamment pour la manifestation du 9 mars, où on sera présent, où la jeunesse, elle essaiera de se pousser comme ça, comme on a l'habitude, à 15h depuis la place 9 avril. 10 mars. Ok, les dates, ça ne fait pas. 9 avril, effectivement. 40 mars, 40 mars, Cyril. 40 mars, tu l'appelles. 40 mars, ouais. Alors, effectivement, donc nous, on sera présents, on poussera là-dessus. Et puis, l'idée, c'est que, comme le CPE, c'est de repartir après les vacances scolaires. Parce que là, effectivement, le gouvernement, il vous la montre, hein, vous savez comment ça se passe. Nous, ça va être qu'on va repartir après les vacances scolaires, on repartira mobiliser, terminer, pour lutter pour le retrait du projet de loi, pour lutter pour une réorientation globale de la politique nouvelle. Et effectivement, mener la bataille de fond sur les questions de la loi de travail et au-delà. Voilà. Je vais prendre la parole. Rendez-vous à Montbrun, samedi, que j'en dors moi à 15h. Profitez pleinement pour pouvoir mieux préparer la soirée et on va rester avec vous. Il y en a qui vont tirer. Quelques anards. Vous savez où c'est, hein, c'est là-bas en face de Star People. Donc c'est bon, on se retrouve là-bas. Hein. Bon, on va à la permanence du PS.
À tout à l'heure. Parti capitaliste. On a préparé quelques affiches pour ça. Il n'y a personne qui suit, hein, bon. Alors Céline, il y a Céline qui est en ligne. Bravo, elle dit. Il y avait... Il n'y a pas beaucoup de jeunes hein, tout à l'heure, hein. Place de place piquant. Je vous souhaite du plaisir. Bon, ils sont en camp samedi, je ne sais même pas si c'est samedi. Enfin, il ne faut pas être défaitiste. On mettra ça après les vacances. Ah oui, c'est vrai. Et l'Esterlin, il est avec Le Drian et il risquait pas sa permanence. Attends, et Le Drian, il est là aujourd'hui, non? Bah oui, mais Céline, elle me dit qu'il est en train de faire le beau avec Le Drian. Bah oui. Faites-vous la courte échelle pour monter là-haut, les jeunes. Ou alors, fais monter une fille sur tes épaules. Ah ben, Hicham, si tu mets le plat, on peut monter sur toi. J'ai pas beaucoup de choses. Voilà, c'est ce qu'on veut faire, mais on n'a pas... Et on est en train de sur la courte échelle pour monter là-haut. C'est haut pour aller coller, on n'a pas des manches de balcon assez long pour coller là-haut. Pourquoi pas un lourd? Alors, camion, oui, c'est ce qu'ils veulent faire. Eh oui, mais pas le camion, ils ont que des bagnoles. Alors, on va monter sur le toit d'une bagnole, c'est. J'attends ça, hein. Mais je crois que ça enregistre automatiquement, hein, Céline, l'application là. Donc on va la diffuser après, on va la diffuser sur YouTube. Ah, ça enregistre pas. Ben, il me semble tout à l'heure que celle-là a enregistré. À partir du moment où tu donnes un nom à l'événement. Ah ouais, bon. Je regarderai en rentrant alors. Oh non, une rallonge à ce manche là ou pas? Bah, on peut peut-être mettre des rallonges. Et avec des manches de drapeau, non, ça ira pas en les mettant dans les autres? Ouais. Mais non, je peux pas. Bon. Alors. On va faire du virtuel. Donc, on voulait mettre à la place de Socia, on voulait mettre Capa. Capit, pour que ça fasse partie capitaliste. Ah si, ça y est, on arrive à... J'ai les manches. On va y arriver. Allez, mets une fille sur les épaules, là. Pourquoi moins de 100 kilos? C'est bon. Il n'y a pas une sonnette pour demander une échelle? Il y a quelque chose qui me dit qu'à la vie, on y reviendra. Je ne sais pas pourquoi, mais... Il y a peut-être une sonnette, demande une échelle.